Seminar, le moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Comme je le dis toujours, je vous encourage d'aller dans un endroit calme, là où il n'y a pas de distraction. Concentre-toi, attends la visitation de Je suis. C'est important de comprendre que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Il guérit tous ceux qui ont la foi. Si tu as la foi, il va te visiter. Il cherche la foi. Est-ce que tu as la foi? Ne sois pas distrait. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de maladies qui vont être guéries. Il y a ceux qui sont déjà la manifestation. Comme je le dis toujours, je ne dois pas citer ta maladie. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a une parole de connaissance pour quelques maladies, mais la plupart des maladies qui sont guéries, je ne les cite même pas. Et la foi, même si tu ne sens pas la manifestation, et la foi que le Seigneur va te visiter. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre et aie la foi que le Seigneur va faire des miracles dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 33, verset 8 à 9. Le verset 8, il est écrit, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. C'est le verset 9 qui m'intéresse. Il est écrit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Je répète, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est important de comprendre que même ce qui n'existe pas, si je suis ordonne, la chose arrive, la chose existe. Même ce qui n'existe pas va exister. Et la foi que ta maladie peut être guérie à l'instant même. Et la foi que tu peux être touché par la main puissante de je suis. Dans quelques secondes, soyez préparés. Commençons la prière. Gloire à toi, Éternel, désarmés, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi qui dis et la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Tu es El Shaddai, tu es Chikenu, tu es Elohim. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Je suis. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces témoignages. Je te remercie parce que tu ne changes pas. Je te montre tous ceux qui sont à genoux, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, dans les quatre coins du monde. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup qui vont être délivrés maintenant. Je te remercie pour ceux qui sont déjà la manifestation. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation. Tu sens quelque chose comme le feu dans ton corps. Il y a une puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la présence de Dieu. Il y a une visitation divine. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont délivrés de l'esprit de la fornication et de l'adultère. Dans le nom de Jésus, que l'esprit de pornographie vous quitte au nom de Jésus. Il y a beaucoup de chaînes d'adultère qui sont d'être brisées. Il y a des femmes mariées qui trompent le mari, qui sont de prier avec moi. Le Seigneur vous délivre dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de jeunes qui sont liés par la masturbation. Dans le nom de Jésus, que cet esprit fuit au nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence, Seigneur. Il y a un jeune homme qui est lié par la pornographie au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu te délivre. Il y a quelqu'un qui souffre énormément sur le rein droit. Tu sens des douleurs au niveau du rein droit. Le Seigneur te touche. Tu sens même la manifestation. Il y a la présence de Dieu dans le nom de Jésus. Sois guéri. Merci, Seigneur, pour cet homme. Alléluia. Tu souffres beaucoup au niveau du rein droit. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Commence à confesser la victoire. Remercie le Seigneur parce que tu sens la présence de Dieu. Tu sens la puissance de Dieu. Il y a la visitation pour cet homme. Merci Seigneur pour cet homme. Merci pour la délivrance. Merci parce qu'il est guéri au nom de Jésus. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour les deux femmes qui sont liées par l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a un homme qui vient coucher avec vous dans les rêves. Que cet esprit vous lâche. Que cet esprit vous quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche au niveau des coudes. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'orteil, sur le pied gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un sommeil excessif, tu n'arrives pas à te concentrer. Chaque fois tu t'endors partout, au travail, à la maison, partout tu as le sommeil. Que ce sommeil excessif disparaisse, que tu aies un sommeil normal au nom de Jésus. Merci pour la personne qui a un problème de perte de mémoire. Il y a quelqu'un qui oublie tout le temps, tu oublies tout le temps, mais le Seigneur renouvelle ta mémoire au nom de Jésus. Merci pour la personne qui est guérie de la constipation. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation, une dame qui souffre de la constipation. Dans le nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un jeune homme qui est libéré, qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, que cet esprit d'alcoolisme te quitte au nom de Jésus. Merci pour la maison qui est délivrée. Il y a une maison qui est délivrée. Toute une maison qui était liée par le diable. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour l'homme qui souffre de l'infection urinaire. Il y a un homme qui a un problème d'infection urinaire. Le Seigneur te guérit. Merci pour la personne qui est délivrée de l'hémorroïde. Tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mal au dos, en bas, côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Tu es guéri. Merci, Père, pour toutes ces personnes qui souffrent du dos. Il y a beaucoup
personnes qui souffrent au niveau du dos, mets ta main sur le dos, là où tu souffres. Il y a beaucoup qui sont touchés. Il y a deux personnes qui sentent la manifestation. Tu sens quelque chose qui bouge dans ton dos. Au nom de Jésus, c'est la guérison. Reçois la guérison. Confessez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui ont un problème de mauvaise respiration. Vous avez un problème de respiration. À partir d'aujourd'hui, vous allez respirer normalement. Il y a beaucoup de dames qui ont mis la main sur le ventre. Vous voulez des enfants. Au nom de Jésus, je prie pour chaque dame qui veut un enfant, que ce soit celle qui n'a jamais conçu ou la femme. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans sans pouvoir concevoir de nouveau. Tu as déjà un enfant de 8 ans, mais tu veux un autre enfant. Le Seigneur ouvre la porte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le couple qui vient de prier pour un enfant. Vous venez de passer 5 ans de mariage sans enfant, mais le Seigneur vous visite. Bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui vient de prier pour un enfant. Ton mari n'est pas avec toi, ton mari est à distance. Quand ton mari viendra, tu vas concevoir au nom de Jésus. Je te montre toutes les femmes qui sont de prier, qui veulent un enfant. Au nom de Jésus. Que l'esprit de stérilité vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 3 femmes qui ont problème de fibromes. 3 femmes qui ont des fibromes. Il y a une, le médecin t'a déjà montré ses fibromes. À partir d'aujourd'hui, vous êtes guéris. Je te remercie parce qu'elles sont guéries, Seigneur. Que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Je te loue, Seigneur, pour tous les enfants qui sont guéris. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a des enfants qui souffrent. Tu es en train de prier pour un enfant. Mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Merci, Seigneur. Merci pour la maman qui prie pour son bébé. Ton bébé a une grande fièvre, une grande température. Que cette température cesse au nom de Jésus. Je dis que cette température excessive cesse au nom de Jésus. Je prie pour l'enfant qui est épileptique. Que cet esprit d'épilepsie fuit. Quitte cet enfant au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui souffrent. Tous les parents qui sont en train de prier pour les enfants. Merci Seigneur pour les enfants que tu touches. Au nom de Jésus, il y a des enfants qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue droite. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, merci. Merci pour les filles. Il y a au moins 3 filles qui souffrent des règles douloureuses. Tu souffres beaucoup pendant les menstruations. Au nom de Jésus, mets ta main sur le bas-ventre. Et la foi, confesse la victoire. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire. Mets ta main sur la poitrine. Et aie la foi. Merci pour les 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci Seigneur. Merci. Merci pour l'hépatite C qui fuit. Il y a 2 personnes. L'un a l'hépatite B et l'autre a l'hépatite C. Et vous êtes guéri au nom de Jésus. Merci pour l'homme qui souffre de la AVC. Que cet AVC cesse. Soit guéri au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les guérisons. Je ne peux pas citer tous ceux qui sont touchés. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Aie la foi. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, c'est un moment spécial de cette émission de samedi parce qu'il faut que tu sois dans l'attente et que tu t'attends à une visitation. Il ne faut pas juste mettre la main pour mettre la main, mais il faut t'attendre à être visité et surtout il faut avoir la foi de Josaphat. Si vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 6, Josaphat a prié une prière spéciale. Il était désespéré, il avait peur, il était attaqué par 3 ennemis, mais il a dit: Éternel, Dieu notre Père, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? J'aime beaucoup la dernière partie de ce verset où il dit: N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? J'aime beaucoup cette partie. Quand il demande à Dieu: N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Est-ce que tu crois que dans sa main il y a la force et la puissance? Rien n'est impossible à lui. Ce qui est impossible aux hommes est possible à je suis. Attends-toi à être visité. Il faut éviter toute distraction. C'est pour ça que je vous demande toujours de ne pas être distrait, d'aller dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit, et vous vous concentrez sur la puissance de la main de je suis. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a des femmes qui vont être délivrées aujourd'hui. Il y a déjà ceux qui tentent les manifestations avant même la prière. Et comme je le dis toujours, je ne dois pas quitter ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu n'entends pas ta maladie, et la foi que dans ta main, il y a la force et la puissance. Quelques secondes, nous commençons la prière.
Éternel, désormais, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Tu es Adonai, tu es souverain, tu es puissant, tu es partout, tu es Shammah. C'est dans l'humilité que nous venons dans ta présence. Et je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons en toute humilité dans le nom de Jésus parce que nous croyons à ta puissance. Nous croyons que dans ta main se trouve la puissance et la force. Rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je te remercie pour toutes ces guérisons, tous ces témoignages que nous avons entendus. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers cette émission. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les femmes qui sont enceintes à travers ces prières. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je prie pour tous ces bébés. Je détruis le plan de Satan. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, que ces enfants naissent. Que ta grâce soit sur ces enfants. Au nom de Jésus, si tu as déjà conçu à travers la prière, mets ta main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus, que la grâce, que la puissance, que le royaume de Dieu soit sur toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci pour ta puissance. Merci pour la manifestation de ta gloire et de ta grandeur. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui est en train de prier pour la délivrance. Il y a un homme qui prie pour la délivrance de la pornographie. Tu es lié par la pornographie. Je détruis, je rends tous les liens au nom puissant de Jésus. Que cet homme soit libre. Que cet homme te serve au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a beaucoup d'hommes et surtout beaucoup de femmes. Si tu sens la douleur sur le dos, mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent. Il y a une autre personne qui sent comme le feu. C'est comme il y a des choses, des fourmis qui sont dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui sens la chaleur, le Seigneur est en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche et la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a ceux qui souffrent des cauchemars. Chaque fois que vous dormez, tu vois des morts, des hommes qui sont morts, qui viennent te parler. Mets ta main sur la tête et la foi que la délivrance de Jésus t'atteigne. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont en train d'être visités. Il y a quelqu'un qui entend des voix audibles. Même quand tu es seul dans la rue, tu sens des voix, des sons dans tes oreilles. Que ces sons cessent au nom de Jésus. Je brise ce lien satanique avec le monde spirituel. Sois connecté avec ton Dieu au nom de Jésus. Que le diable te fuit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont guéries du sida, VIH. Il y a un homme et une femme qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation et il y a d'autres qui ne sentent pas. Mais même si tu ne sens pas, ne crois pas que tu n'es pas visité. Tout ce que je te demande, c'est de prier avec moi et la foi. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont guéris. Remercie le Seigneur pour sa puissance qui est sans limite. Il y a beaucoup de femmes. Je te montre toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre parce que le Seigneur te voit. Toi qui viens de passer 14 ans et la foi que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage. Tu as déjà conçu une fois et ce n'est plus revenu. Mais maintenant tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a un couple qui vient de passer 6 ans. Le Seigneur va vous donner un enfant au nom de Jésus. Toi qui viens de faire 3 fausses couches. Ça fait 3 fois que tu as conçu. Mais chaque fois l'enfant mourait. Mais tu vas concevoir un 4e enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme si on est en train de couper son corps avec un couteau. Mais c'est le Seigneur qui te délivre. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est délivrée. Il y a une femme qui souffre de l'incontinence urinaire. Chaque fois le matin, tu sens que tu as fait pipi au lit. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un enfant qui est guéri de l'allergie au pollen. Il y a un enfant qui est très allergique au pollen. Le Seigneur te délivre. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Ou si tu as un enfant, aie la foi. Ouvre ta bouche. Parle au Seigneur, parle de ta maladie et remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur, merci, merci. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Le Seigneur te délivre, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Mets ta main sur la jambe et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la personne qui souffre du rhumatisme. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a une toux. Chaque fois que tu craches le sang, que cette toux disparaisse au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. J'insiste que même si tu ne sens pas les manifestations, aie la foi. Ne sois pas découragé. Le Seigneur est là pour te délivrer. Les anges sont en action maintenant pendant la prière. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est guéri du pancréas. Il y a une femme.
femme qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses règles. Au nom de Jésus, tu vas bientôt avoir tes règles et d'une façon régulière et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui sens des douleurs sur ton doigt, sur la main gauche, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer de foie. Tu souffres du cancer de foie. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de sang. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Il y a une femme qui a 2 fibromes. Tu es programmée pour l'opération. Mais le jour où tu iras voir le médecin, on ne trouvera rien parce que le Seigneur t'a guéri. Il t'a délivré. Il n'y aura pas d'opération. Il y a un homme qui est impuissant. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme, mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a un autre homme qui a un problème de dysfonction érectile. À partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Toi qui souffres de l'hypertension, le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Toi qui souffres de l'hépatite C, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui souffres du diabète et qui n'arrive même plus à voir, au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui es par terre, il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons. Que ces démons te quittent au nom de Jésus. Alléluia. Ce corps, c'est le temple de Dieu. Tu es délivré dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des déchets sataniques. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis ses 2 mains sur la tête. Tu as un problème de dépression. Au nom de Jésus, que cette dépression cesse à partir d'aujourd'hui. La dépression cesse. Au nom de Jésus, tu dépends des médicaments, mais tu vas dépendre de la puissante main droite triomphante de Je suis. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Il y a une femme qui était liée. Tu étais liée. Au nom de Jésus, tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais, le mariage, le travail, tout est bloqué. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Il y a une puissance qui te libère. Il y a des liens qui sont brisés maintenant même au nom de Jésus. Il y a un homme qui est délivré. Tu étais lié par l'esprit de pornographie dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Il n'y a que des vidéos pornographiques. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Tu sens même la nausée au nom de Jésus. Tu vas vider toutes ces vidéos. Tu vas vider ton téléphone parce que le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour son royaume au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit suicidaire. Chaque fois, tu as envie de te suicider. Tu veux prendre des médicaments pour te suicider, mais le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche. Tu as des douleurs sur le bras gauche. Avant la fin de la prière, ces douleurs doivent disparaître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres, toi qui as des douleurs au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur libère. Et le Seigneur guérit au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui est par terre. Tu es tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Que ces démons quittent ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, 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 merci pour cet homme. Il y a un homme qui fait des affaires. Tes affaires sont bloquées. Tu sens la malédiction partout. Mais aujourd'hui, tu es renouvelé. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Ça fait 11 ans. 11 ans que tu n'as jamais, jamais conçu. Mais bientôt, tu vas concevoir. Je prie pour toute femme qui vient de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans sans enfant. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Il y a des couples qui vont concevoir bientôt. Dans l'un des couples, un homme est impuissant. Mais le Seigneur te libère de cette impuissance. Il y a un autre couple où un homme n'a pas de sperme. Au nom de Jésus, le Seigneur te donne du sperme et ta femme va concevoir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent de douleur au niveau de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Toi qui mets ta main sur le cou et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Il y a un œil qui ne voit pas. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance. Tu es guéri. Toi qui as de douleur au niveau de l'estomac, tu as mis ta main sur l'estomac. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui vient de pleurer. Tu es sur le lit. Tu pleures. Tu sens la visitation. Le Seigneur te délivre. Il délivre ta famille. Il délivre tes enfants. Il y a quelqu'un qui souffre de l'AVC. Toi qui souffres de l'AVC et la foi au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant. Il y a un enfant qui souffre de l'infection pulmonaire. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Ça fait plus de 10 ans que tu es diabétique. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. On te dit que tu ne peux plus concevoir. Mais le Seigneur va te donner un enfant au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a des personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous allez vomir. L'un va vomir pendant la prière. L'autre va vomir après la prière. Mais le Seigneur vous libère. Vous êtes délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du talon droit. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces guérisons. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont guéris.
guéri. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Parce qu'il y a une visitation, il y a une présence surnaturelle de Dieu au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Tu es guéri. Un jeune qui a le virus du sida, VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Et la foi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la puissance de ta prière, la puissance de ta main droite triomphante. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un tumeur au cerveau et le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Merci. Merci pour la personne qui a des maux de tête qui ne finissent jamais. Tous les jours tu as des maux de tête. Les médicaments ne répondent plus. C'est un lien satanique. Que son lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mis ta main sur le genou et la foi. Toi qui as mis ta main sur l'œil et la foi. Toi qui as mis ta main sur la bouche. Alléluia. Tu as mis ta main sur la bouche. Quelque chose te gêne. Quelque chose te fait mal sur la bouche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des boutons. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des problèmes d'infection vaginale. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus. Les intestins sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, un homme maintenant qui a un problème sur le dos. Garde ta main sur le dos. Un peu en haut à droite. Le Seigneur t'a visité. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si je ne cite pas ta maladie. Et la foi. Et la foi. Il y a une femme qui saigne. Tu saignes pendant des mois. Ça ne s'arrête pas. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Alléluia. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Tu as sur les béquilles. Je te demande de lâcher les béquilles et marcher par la foi. Et la foi fait des pas au nom puissant de Jésus. Parce que la volonté de Dieu est pour que tu marches. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour sa mère qui est à l'hôpital. Ta mère qui est au coma. Ta mère va sortir vivante. Alléluia. Tu tiens à m'écouter et que ton enfant est né à travers cette émission. Mets la main sur l'enfant au nom de Jésus. Je détruis toute attaque démoniaque. Au nom de Jésus, que ton sang Jésus les protège et que tous ses enfants soient protégés par la puissance du nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont déjà enceintes. Toi qui es enceinte, tu as déjà conçu. Mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Que ses enfants soient protégés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Tu es en train de bailler tout le temps. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Tu as tout le temps des vertiges. Tu sens des vertiges. C'est le Seigneur qui te délivre. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, tu es délivré complètement. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme qui est guérie des règles abondantes. Tu saignes tout le temps. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont délivrées de l'esprit d'alcoolisme. Il y a un homme et 2 femmes. Vous êtes liés par l'alcool, l'ivrognerie. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Soyez délivrés. Commencez à louer le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Toute femme qui veut un enfant. Au nom de Jésus, cette femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Mets ta main sur le ventre et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 13 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te délivre. Et bientôt tu vas concevoir. Il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. Tu as plus de 50 ans et tu as atteint la ménopause. Mais par la puissance du nom de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Merci Seigneur parce que tu vas te manifester et le monde sera étonné par son miracle. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu as un cycle irrégulier. Au nom de Jésus, le Seigneur va stabiliser ton cycle et tu vas concevoir au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu es en train de prier pour avoir un enfant, garde ta main sur le ventre et je te demande d'ouvrir la bouche et commencer à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur par la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu ne peux parler de ton cas, mais ouvre la bouche et manifeste ta foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de se délivrer. Il y a beaucoup qui sont visités par l'esprit de suicide. C'est plusieurs fois que vous souhaitez vous suicider. Que cet esprit de suicide disparaisse au nom de Jésus. Il y a un homme et 2 femmes qui sont guéris de l'estomac. Vous souffrez de l'estomac. Vous êtes guéris au nom de Jésus. 2 personnes qui ont mangé du poison et qui sentent la nausée. Une des 2 personnes a envie de vomir. Tu sens comme si tu voulais vomir. Laisse-toi parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, vous allez vivre pour la gloire de Dieu. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Et la foi, le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme s'il y a un clou dans le dos. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Et la foi, si tu souffres au dos, mets ta main sur le dos parce que
que le Seigneur est en train de te guérir. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Mets ta main là où tu sens les douleurs. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a le dos pleuré. Tu souffres au dos depuis des années. Tu portes même une ceinture. Je te demande d'enlever la ceinture et la foi. Parce que le Seigneur t'a délivré. Il t'a guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui saigne. Il y a une femme qui saigne tout le temps. Ça fait longtemps que tu saignes. Mais aujourd'hui, que ce saignement cesse au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es tombé par terre depuis que j'ai commencé la prière. Le Seigneur te délivre. Il y a des démons qui parlent. Je donne à ces démons, je donne à ces esprits de quitter ton corps au nom de Jésus. Sortez. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une grande délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Toi qui souffres de l'asthme, le Seigneur te guérit. Et la fois que tu es guéri, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu as une mauvaise respiration. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Mais garde ta main sur la poitrine. Le Seigneur est en train de te guérir. Il y a 4 personnes qui sentent de la chaleur, dont une femme. Tu sens la chaleur dans le ventre. Le Seigneur guérit beaucoup de choses. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre, qui a un problème de kyste utérien. On ne va pas t'opérer. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée. Toute la famille est ensorcelée. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Il y a quelqu'un qui prie pour sa famille. Et cette famille est délivrée au nom de Jésus. Tout ce que le diable a monté, tout ce que le diable a construit, doit être détruit. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Vous allez vivre le plan céleste au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'anémie et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train d'écouter l'émission à partir de l'hôpital. Vous avez la foi et vous allez sortir de l'hôpital vivant au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du rein. Garde ta main et aie la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Tu es guéri de ton diabète. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, garde tes mains sur le genou parce que le Seigneur te délivre. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C et la foi, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrances. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour sa fille. Ta fille est en train de trembler parce que le Seigneur la délivre au nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui prient pour les enfants, gardez les mains sur les enfants parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied droit au nom de Jésus. Tu es délivré. Alléluia. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cœur. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la délivrance. Il y a un homme qui fait tout pour cesser de fumer. Tu veux arrêter de fumer. Le Seigneur te délivre de la cigarette. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés. Tu as tout essayé de ta propre force, mais ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te délivre. Si c'est toi, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Toi qui as des problèmes de glandes thyroïdes, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant même, tu vomis parce que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Le Seigneur vous protège. Tu ne vas pas mourir de ce poison. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Le Seigneur te délivre. Les hommes et les femmes qui sont en train de prier pour le dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur opère. Si c'est toi qui souffre au niveau du dos, le Seigneur te délivre. Il y a la main de Jésus qui touche les hommes et les femmes dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mis sa main sur le rein. Tu as un problème de rein, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Si tu pries, si tu as mis ta main sur le ventre parce que tu veux un enfant, et la foi, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur délivre. Il y a des femmes qui sont d'être délivrées. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans conception du tout. À partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans avec un seul enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est proche de la ménopause. Tu as tout fait pour concevoir, mais bientôt tu vas concevoir parce que le Seigneur te visite. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 6 ans dans le mariage sans conception. Mais le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui sent les douleurs. C'est comme si quelqu'un était de te trouer sur le dos, côté gauche. Tu sens comme si quelqu'un te met du clou, un clou dans le dos. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus du sida, VIH. Vous êtes guéri. Si tu pries et tu as le virus du sida, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au
nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de l'hémorroïde, aujourd'hui c'est ton jour. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'infection des poumons. Aujourd'hui tu es guéri. Mets ta main sur la poitrine. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Un homme qui a des douleurs au niveau des tibias, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour un enfant. L'enfant a une allergie sur la peau. Aujourd'hui, son enfant est guéri. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont de prier avec moi. Ayez foi en Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Si tu souffres du cancer, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est par terre. Tu souffres, tu viens de pleurer, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, le Seigneur brise les liens. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Et merci pour le bébé. Il y a une maman qui a un bébé. Tu viens de prier pour un bébé qui souffre de la trisomie 21. Mais le Seigneur délivre ton bébé. Ton bébé va grandir normalement pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre des sinusites. Si c'est toi qui prie pour les sinusites, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a une maman qui est âgée, qui souffre, qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et remercie le Seigneur. Toi qui es sur la chaise roulante, le Seigneur te délivre. Il te donne le pouvoir de marcher au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Si tu as le cancer du sein, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de jeunes que le Seigneur délivre de la masturbation. De masturbation et l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est mariée et qui est liée par l'adultère. Tu es délivré au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Un jeune qui est drogué, tu prends de la drogue tout le temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu pries avec ta femme. Tu es avec ta femme. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde qui est en train de prier avec moi d'avoir la foi. Merci Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, aie la foi que tu es guéri. Ton oreille est guérie au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le bas-ventre, il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Il y a son ami qui est avec lui. Mets ta main sur lui et remercie le Seigneur et confesse le nom de Jésus parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je détruis, je coupe les liens au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette dame qui souffre, qui a mis ses mains sur la tête. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu as un problème de migraine. Ça fait des années que tu souffres. Tu ne supportais pas la lumière. Tu ne supportais pas les bruits. Mais aujourd'hui, la main de Je suis ta visité. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, ouvre la bouche et remercie Dieu pour la guérison. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur essaie de guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, depuis que j'ai commencé la prière, elle est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es par terre, tu es en train de te rouler par terre. Que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, aucun esprit ne peut rester dans ton corps. Parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme que tu vas utiliser pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, il y a une fille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, tu es délié, tu es délivré, tu étais ensorcelée. Il y a toute une famille qui était hantée. Au nom de Jésus, que cette famille soit libérée. Je dis que cette famille soit libérée. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère, tu casses les choses. Tu veux même tuer quelqu'un. Que cet esprit sorte au nom de Jésus. Merci Seigneur de délivrer ton peuple. Merci Seigneur pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui tu es visité. Aujourd'hui tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Le monde entier saura que tu as conçu pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce couple qui vient de passer 12 ans. Vous avez un enfant mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va créer le chemin et tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui a envie de pleurer. Tu pleures. Tu viens de passer 8 ans sans enfant. Tu pleures. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a eu beaucoup de fausses couches. Tu as fait au moins 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant même 3 mois. Mais le Seigneur te délivre. C'est la fin de la malédiction. Je détruis
tous ces liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes et des adultes qui sont liés par la fornication et l'adultère. Au nom de Jésus, que l'esprit de fornication et d'adultère fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de masturbation libère les enfants de Dieu. Toi qui es lié par la masturbation, commence à remercier le Seigneur parce que tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Toi qui as peur d'ulcère, le Seigneur t'a guéri de ton estomac. Au nom de Jésus, il y a deux personnes, un homme et une femme qui souffrent de l'hépatite C. À partir d'aujourd'hui, commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Le Seigneur est en train de toucher l'ange de l'éternel. Il est en train de toucher beaucoup de personnes dans les quatre coins du monde. Toi qui écoutes cette prière, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Loue le Seigneur pour toutes ces guérisons. Ne le remercie pas seulement pour toi, mais il faut le louer pour tout ce qu'il fait pour les autres. Au nom de Jésus. Et attends-toi à la visitation. Tu peux sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, aie la foi que le Seigneur est à l'œuvre. Parce que beaucoup sont guéris. Il y a une maman qui est couchée sur son lit. Tu sens beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé la prière, tu as senti comme le feu qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de guérir ton dos. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, aie la foi. Mets ta main sur le dos parce que le Seigneur est à l'œuvre. La main de Je suis est à l'œuvre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être touchés. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur. En bas, à gauche, au nom de Jésus. Aie la foi. Le Seigneur te guérit. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu guéris. Merci pour la personne qui souffre de l'insomnie. Tu passes des nuits blanches. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Mais le Seigneur te visite. Tu vas commencer à dormir paisiblement. Au nom de Jésus, c'est un homme qui est en train d'insomnie. Le Seigneur te délivre et tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Si c'est toi qui souffre de l'insomnie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et le médecin t'a dit qu'il faut avorter cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. Mais n'accepte pas, ne tue pas cet enfant parce que cet enfant est dans le plan de Dieu. Et cet enfant va naître, cet enfant va guérir au nom de Jésus. Je déclare la vie sur cet enfant. Garde tes mains sur le ventre parce que cet enfant va naître. C'est un garçon qui va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces filles. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période des menstruations. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a un homme et deux femmes qui souffrent du cancer. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Devant Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Toute maladie est curable aux yeux de Je suis. Merci Seigneur pour ces deux personnes. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous avez envie de vomir. Si tu as envie de vomir, laisse-toi aller parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui va vomir après l'émission parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a deux personnes, dont une femme qui a le virus VIH, qui a le sida, mais le Seigneur vous guérit après l'émission. Allez faire le test pour manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans sa partie génitale, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Même toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur te guérit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé la prière, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, tu es en train d'être délivré. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a deux femmes et trois hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Le lien de masturbation s'est brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait de cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des morts, vous voyez des accidents, vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus, que ces rêves cessent. Mets ta main sur la tête. Si tu as des cauchemars, mets ta main sur la tête. Que cet esprit fuit. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit qui tourmente les enfants de Dieu pendant la nuit. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui font des affaires. Ça fait un moment que tout est bloqué. Vous avez été ensorcelé. Je brise ce blocage. Au nom puissant de Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour cette femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée. Sa maison était liée. Au nom de Jésus, toute la famille était liée. Maintenant, vous êtes délivrée. Au nom de Jésus, je prie pour cette maman qui souffre au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Au nom de Jésus, il y a des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, je prie pour toute personne
personne qui souffre au niveau du dos, si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce que le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation, c'est comme si c'est un serpent qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Je prie pour cette personne qui a un problème d'hernie au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer, un homme et deux femmes qui souffrent du cancer, soyez guéri au nom de Jésus. Vous êtes guéri. Alléluia. Confessez, ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur. Si c'est toi qui prie pour le cancer, commence à remercier le Seigneur, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Je prie pour toi au nom de Jésus. Reçois la puissance de guérison au nom de Jésus. Et il y a une femme qui a un corps plein de boutons. Tout le corps est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades, mais aujourd'hui la main de Je suis est sur toi et tu es délivré. Bientôt ta peau sera normale au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison au nom de Jésus. Vous sentez l'envie de vomir. L'une des deux personnes est en train de vomir maintenant même. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je prie pour cette maman. Alléluia. Une dame qui est tombée par terre. Les démons te secouent. Je parle, je m'adresse à ces démons. Vous devez lâcher l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Sortez du corps qui est le temple de Dieu. Je commande à ces esprits de te lâcher au nom de Jésus. Ces esprits voulaient prendre ta vie et au nom de Jésus, l'enfant de Dieu va vivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les trois personnes qui souffrent de diabète. Il y a trois personnes qui sont guéries du diabète. Si tu souffres de diabète et la foi, mets ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur, parce que le Seigneur est à l'œuvre au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. La maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme et la foi que ton enfant va être normal. Ton enfant qui casse tout, qui est turbulent, le Seigneur le visite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui c'est ton jour. Et la foi, commence à remercier le Seigneur. Si c'est toi qui viens de passer 20 ans sans enfant, ouvre la bouche et remercie le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans, 17 ans, 6 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Tu es proche de la ménopause. Tu as 46 ans et tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. C'est ton jour. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a eu 5 conceptions. Et chaque fois que tu conçois, en moins de 2 mois, il y a une fausse couche. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Bientôt, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci, merci, merci pour cette femme qui est délivrée. Tu as le kyste dans l'utérus. Le Seigneur te guérit. Tu n'auras pas besoin d'opération parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Tu as beaucoup de plaies dans la bouche. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui est dans l'hôpital. Tu pries à partir de l'hôpital. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu vas guérir. Tu vas sortir de l'hôpital. Toi qui as le virus, VIH, SIDA, si c'est toi et la foi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de la constipation, reçois la guérison. Je prie pour cet homme qui a la constipation depuis des années. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu l'as visité. Il y a un jeune homme qui a eu un accident. Tu marches sur les béquilles. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Commence à marcher sans béquilles. Lâche tes béquilles. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'oreille, tu as même de la pu qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est délivré, qui est guéri de l'asthme. Depuis ton enfance, tu souffres de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Et la foi, parce que tu es guéri. Merci Seigneur pour les deux hommes et la femme qui sont alcooliques. Vous êtes liés par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent énormément au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a une maman qui est par terre. Il y a ces deux filles qui ont mis les mains sur son dos. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, il y a trois personnes qui sentent la nausée. Il y a une personne qui est en train de vomir. Maintenant, pendant la prière, au nom de Jésus, tu es délivré. Que tous ces démons fuient au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Tu es en train de bâiller au nom de Jésus. Tu fais même des gaz. Le Seigneur te délivre. Je brise tous ces liens au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre, côté droit. Tu souffres du foie au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a mis sa main sur le bas ventre. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de
cessé de sommeil. Tu as envie de dormir toute la journée. La nuit et la journée, tu as toujours envie de dormir. Au nom de Jésus, sois délivré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur sa cuisse gauche. Au nom de Jésus, quelle soit la guérison. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Deux personnes qui sont en train de prier maintenant. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur crée le chemin pour toi. Tu vas concevoir bientôt au nom de Jésus. Merci pour ce couple. Il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Si c'est vous, commencez à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui a de prier pour un enfant de 12 ans mais qui n'a jamais eu un deuxième enfant. Mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Si tu es de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la personne qui est guérie de l'hépatite B. Il y a une personne qui est guérie de l'hépatite B et l'autre de l'hépatite C. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a un homme qui a mis sa main sur son tibia. Tu as beaucoup de douleur. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais à la fin de la prière, tu vas marcher au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette guérison du diabète. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète en stade avancé. Tu n'arrives même plus à voir. Tu as un problème de vision. Mais ayez la foi. Garde ta main sur ton cœur. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de Je suis. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a envie de marcher sur les béquilles. Tu marches sur les béquilles. Ça fait des mois que tu marches sur les béquilles. Je te demande d'avoir la foi et de faire un pas de la foi. Lève-toi. J'ai dit lève-toi et marche au nom de Jésus. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une personne qui est guérie du cancer d'intestin. Tu souffres du cancer d'intestin au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une femme adulte qui souffre de l'incontinence urinaire. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit, mais le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau du ventre, au niveau de l'estomac et la foi. L'autre, c'est le foie. Gardez vos mains sur le ventre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maman qui est en train de pleurer. Tu pleures, tu es sur le lit au nom de Jésus. Tout ce que tu fais est bloqué. Tout ce que tu fais est bloqué. Tu es délivré au nom de Jésus. Ta vie est délivrée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci pour la personne qui est guérie de la VC. Il y a quelqu'un qui souffre de la VC. Un homme qui souffre de la VC. Au nom de Jésus, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps. Chaque fois que tu penses à quelque chose, tu as oublié. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a enlevé les lunettes. Tu as mis ta main sur les deux yeux. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ceux qui sentent la manifestation et ceux qui ne sentent pas la manifestation. Tout ce qui compte, c'est s'attendre à la visitation. C'est avoir la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Tu dégages une mauvaise odeur partout où tu vas. Les gens te fuient. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Sois délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème de respiration. Tu as une mauvaise respiration. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je demande à tous ceux qui sont de prier pour leurs enfants. Gardez vos mains sur le cœur. Si l'enfant n'est pas avec toi, garde ta main sur le cœur. Et si l'enfant est avec toi, mets ta main sur l'enfant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui sont délivrées, qui sont de prier pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Il y a même des fiancés en couple qui sont de prier séparément. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Ça fait plus d'une année que le mariage est bloqué, que les finances sont bloquées, que tout est bloqué. Mais le Seigneur vient vous délivrer au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la visitation. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du pied. Ton pied est enflé. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent déjà la manifestation dans tout le corps. À partir de la tête jusqu'aux pieds. Tu sens comme si c'était de l'électricité. Il y a la puissance de Je suis qui se manifeste. Merci Seigneur pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur touche. Toi qui souffres au niveau du dos, tu prends même les calmants, ça ne marche pas. Mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Tu as passé toute la nuit sans dormir. Mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite. Tu as des douleurs au niveau de la côte droite. C'est un homme. Le Seigneur te guérit. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a une femme qui le Seigneur délivre, qui est liée par l'esprit d'adultère. Tu trompes très souvent ton mari, mais tu veux la délivrance. Ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, tu es
est délivré au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a une fille qui est en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tous les liens se trouvent au nom de Jésus. Et alléluia. Il y a des liens familiaux. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la colère. Tu as une colère démoniaque, mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu deviens insupportable dans la famille. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va se manifester à travers toi au nom de Jésus. Il y a deux femmes et un homme qui sont tombés par terre. Le Seigneur vous délivre. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Tu cries et je prends autorité à tous ces démons. Je les ordonne de sortir du temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Rien ne peut te résister, Seigneur. Rien ne peut résister ta parole. Quand tu parles, quand tu ouvres, quand tu ordonnes, la chose existe, la chose arrive. Personne ne peut limiter ta puissante main. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine, côté gauche. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Le Seigneur te guérit. Deux personnes qui souffrent de la dépression. Gardez vos mains sur la tête parce que le Seigneur vous visite. Il y a une fille qui vient de passer plus d'un mois. Tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Ça fait des années que tu as attendu d'être marié. Le Seigneur va te connecter avec quelqu'un qui sera ton époux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui sont en train de prier. Je te montre les femmes qui prient pour la conception. Il y a des femmes qui prient pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage sans aucune conception. Le Seigneur te guérit, te délivre. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans, 11 ans et une autre de 8 ans. Le Seigneur est en train de libérer beaucoup de femmes. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Que ce soit celle qui n'a jamais conçu ou qui a conçu, qui ne peut plus concevoir. Le Seigneur est capable. Ayez la foi. Ouvre la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Ton enfant a une grande température. Je prie, Seigneur. Je prie pour cet enfant. Que la température soit normale et que l'enfant vive pour ta gloire au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Parce que le Seigneur est en train de guérir. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a un qui souffre du cancer des poumons. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hémorroïde. Un homme qui souffre de l'hémorroïde depuis des années. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des cauchemars. Tu as beaucoup de mauvais rêves. Quand tu dors, garde tes mains sur la tête. Et aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Tu portes même des lunettes. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes doigts sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Aie la foi. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui ont un problème de fibrome. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur, je te montre cette fille qui souffre pendant la période de menstruation. Aie la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui prie, qui est sur un lit. Ça fait plus d'une année que tu es sur le lit, que tu n'arrives même pas à marcher. Je proclame la victoire. Que le royaume de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui n'avait pas de spermatozoïde, zéro spermatozoïde. Il ne pouvait pas avoir un enfant avec sa femme. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre et tu vas avoir les spermatozoïdes et ta femme va concevoir au nom de Jésus. Il y a des personnes qui souffrent, qui ont le VIH, le sida. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit de la peur. Il y a une femme qui est liée par l'esprit de la peur. Tu ne peux même pas dormir la nuit. Tout le temps, tu as peur. À tel point que tu ne veux même plus sortir de la maison. Sois délivré. Je parle. Cet esprit de la peur libère ma soeur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la puissance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Ouvrez la bouche. Ayez la foi. Si le Seigneur guérit les autres, si le Seigneur délivre les autres, il peut te délivrer. Il y a deux hommes qui sont liés. Leur business est lié. Tes affaires sont liées. Ton commerce est lié. Tout ce que tu fais est lié. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Tu es délié. Tu es libéré. Alléluia. Il y a une femme qui a été ensorcelée. Tout ce que tu fais ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. À la maison, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, je suis ta visite. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a une toux sèche. Au nom de Jésus, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'oreille. L'oreille te fait mal, mais tu es guéri. Les intestins sont guéris au nom de Jésus. Toi qui as des cauchemars la nuit, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation sur le cou. Tu as mis ta main sur le cou. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de la drogue. Tu es lié par la drogue au nom de Jésus. Il y a une puissance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Alléluia. Il y a une puissance qui se manifeste dans quelqu'un qui est tombé par terre. Tu sens le feu dans ton corps. Dans le nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont par terre, mais n'ont même
pendant la prière, je confesse le nom de Jésus et j'ordonne à tous ces esprits de sortir du temple de Dieu dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est alcoolique. Aujourd'hui, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir parce que vous avez mangé du poison. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans sans enfant. Aujourd'hui, tu es délivré et bientôt tu vas concevoir. Il y a un autre couple qui vient de passer 13 ans. Vous avez un enfant, mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur va vous donner un enfant. Il y a une femme qui est pour son bébé qui est dans le ventre. Le médecin t'a dit que ton enfant a trisomie 21, mais ton enfant va naître en bonne santé. Je détruis cette trisomie 21 au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Garde tes mains sur le ventre et remercie le Seigneur pour la guérison de ton bébé qui va naître en bonne santé. Et quand ton bébé va naître, il faudra témoigner pour la gloire de Je suis. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau des poumons. Il y a quelqu'un qui a tout de souffrir au niveau des poumons. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Tu vas commencer à bien respirer. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la cuisse droite. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Deux hommes qui souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus, que la tension soit normale. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Tu souffres de l'estomac. Mets ta main où tu souffres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'éternité. Merci pour la puissance. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont en ta présence. Alléluia. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de manifester la foi. N'attends pas la guérison pour remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Parce que sa main puissante, sa bonne main droite triomphante est à l'action. Maintenant même que je prie, il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Toi qui écoutes, toi qui prie avec moi, ouvre ta bouche. Remercie Dieu pour ce qu'il fait pour les autres et ce qu'il fait pour toi. Même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, mais manifeste ta foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, les choses qu'on ne voit pas. Il y a deux personnes qui souffrent des migraines. Gardez vos mains sur la tête. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'épilepsie. Au nom de Jésus, il y a trois personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, parmi les trois, il y a quelqu'un qui a le cancer de foie. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est paralysée. Tu es sur le lit. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu es dépendante des autres. Mais à partir d'aujourd'hui, la puissante main de Je suis t'a visité. Et tu vas quitter ce lit. Et tu vas marcher toi-même. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont guéris. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la masturbation, une femme qui est liée par la masturbation, l'esprit de masturbation, une femme et une fille, au nom de Jésus, soyez délivrés, vous êtes délivrés. Toi qui souffres du kyste utérien, une femme qui a un problème de kyste utérien, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un problème de respiration, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, au nom de Jésus, commence à respirer, tu vas respirer normalement. Il y a quelqu'un qui prie pour un membre de la famille qui souffre de COVID, un parent qui est à l'hôpital qui souffre de COVID, au nom de Jésus, ton parent va sortir vivant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cet homme que tu guéris, qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, il y a une femme et deux filles qui ont problème de boutons. Le visage est plein de boutons. Vous avez tout essayé. Mais le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau des yeux. Tu souffres au niveau des yeux. Tu as tout le temps des larmes. Mais le Seigneur guérit tes yeux. Et il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Tu souffres de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance. Un homme qui souffre de l'impuissance. Et un autre qui souffre de la dysfonction érectile. Au nom de Jésus, vous êtes guéri. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour ta puissance. Il y a une grande délivrance. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu es en train de pleurer. Tu es par terre. Alléluia. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Sa femme est en train de crier. Elle est en train de s'enrouler par terre. Au nom de Jésus, ta femme est délivrée. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. C'est le moment de remercier le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui n'arrive pas à parler. Un enfant de plus de 5 ans qui ne parle pas, qui souffre de l'autisme. Que ton enfant soit guéri. Que ton enfant parle. Que ton enfant soit délivré. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est lié dans ses affaires. Rien ne marche. Il y a de la sorcellerie qui t'a bloqué. Aujourd'hui, tu es
délivrés au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont déjà tombées par terre. Dans le nom de Jésus, que ces esprits quittent ce corps. Au nom de Jésus, que les esprits quittent ces corps. Parce que le corps, c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, une femme qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, une autre personne est en train de bailler. Tu sens des manifestations. Il y a un autre qui fait des gaz. Il y a une délivrance spéciale. Il y a des gens qui sont délivrés. Beaucoup de gens qui sont délivrés. Merci Seigneur. Nous brisons les chaînes du diable. Dans le nom de Jésus, je marche sur les serpents. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont en train de prier pour le travail. Ils sont dans le chômage. Bientôt le Seigneur ouvre une porte pour vous. Dans le nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a passé des années dans le chômage. Tu as tout fait, mais tu n'as jamais eu du travail. Mais le Seigneur brise le lien au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée du tabac. Tu es accro au tabac, à la cigarette. Mais au nom de Jésus, tu es délivré. Et il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sentent la nausée. Il y a la délivrance. Et le Seigneur est en train de briser le lien au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Bientôt tu vas rencontrer l'homme qui va t'épouser et qui est envoyé par le Seigneur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont guéries du cancer. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur au nom de Jésus. Maintenant même que tu mets la main sur ton oreille, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sentent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit ceux qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a deux personnes qui souffrent du COVID-19. Vous avez le corona, mais soyez guéris. Vous allez recevoir la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses mains sur le ventre parce que tu as des douleurs. C'est comme le feu. Tu sens comme le feu dans le ventre. Tu n'es pas enceinte, mais tu as beaucoup de douleurs. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie des intestins. Ça fait longtemps que tu souffres des intestins. Aujourd'hui, c'est ton jour de guérison. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 17 ans. Il y a une femme qui prie pour un enfant. Tu viens de passer 17 ans sans enfant, dans le mariage, sans conception, sans une seule conception. Mais bientôt, tu vas concevoir. Alléluia. Avant la fin de l'année, tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier ensemble. L'homme a mis la main sur le ventre. Et la femme vient de passer 8 ans sans enfant. Au nom de Jésus, tu vas concevoir bientôt. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Tu pleures. Il y a une femme qui pleure sur le lit. Mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a des difficultés à uriner. Parfois quand tu urines, tu vois le sang. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Alléluia. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour l'enfant qui est guéri des bronchites. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es un enfant et la foi que le Seigneur t'a visité, mets la main là où tu souffres. Ou si tu pries pour ton enfant et l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. L'un souffre de l'impuissance sexuelle et l'autre souffre de la dysfonction érectile. Vous êtes guéri, vous êtes délivré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans la partie génitale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour ta présence. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que chaque personne ouvre sa bouche. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Remercie le Seigneur pour les délivrances. Remercie le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont touchées. Ouvre ta bouche. Manifeste ta joie. Commence à remercier le Seigneur pour ta délivrance. Même si tu ne sens rien. Même si tu n'es pas encore cité ta maladie. Mais remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le bras droit. Tu as beaucoup de douleur. Avant la fin de la prière, tu seras complètement guéri. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler tout le temps. Depuis le commencement, tu bailles. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour ta délivrance. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, aie la foi. Il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a les gens qui sont délivrés au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de marcher
marcher sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes du diable. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait des années, plus de 10 ans que tu souffres de la constipation. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de la fessée, le Seigneur t'a visité. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne beaucoup. Tu as des règles abondantes. Tu as pris toutes sortes de médicaments. Ça n'a pas marché. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, tu es guéri au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour ta présence. Je ne peux pas citer tout le monde. Je ne peux pas parler de tout le monde. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Toi qui as mis ta main sur le pied, tu as des douleurs au niveau du pied. C'est comme s'il y a un clou dans le pied. Et la foi, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur t'a guéri. Alléluia. Il y a deux personnes qui sont déjà touchées. Vous êtes en train de prier. Vous avez un problème de dépression. Mais le Seigneur vous a guéri. Il y a quelqu'un que le Seigneur délivre. Tu es lié par la drogue. Mais aujourd'hui, le lien de la drogue est cassé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et de fornication. Il y a même des couples mariés qui sont liés par l'adultère. Que ces démons fuient. J'ai dit que ces démons fuient au nom de Jésus. Qu'ils fuient ta présence. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont délivrées, qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ces deux personnes. Je donne ces démons de quitter le corps, quitter le temple de Dieu. Tes corps, c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir toutes les nuits. Toutes les nuits sont blanches. Mais à partir d'aujourd'hui, ce soir, tu vas dormir tranquillement parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème respiratoire. Tu as des difficultés pour respirer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Toi qui as le virus de sida, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tu sens des démangeaisons partout. Tout le corps, ce sont des liens, des chaînes sataniques que le Seigneur est en train de briser. Des liens ancestraux. Le Seigneur te délivre d'une façon spéciale. Il y a des femmes qui sont visitées. Des femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui prie pour un enfant, garde tes mains sur le ventre. Parce que le Seigneur touche, visite beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans. Tu n'arrives pas à avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur enlève la malédiction. Tout ce qui avait bloqué une deuxième grossesse est brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir se concevoir. Mais aujourd'hui, tu es visité. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Un couple qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je demande à toute femme qui a besoin de prier pour un enfant de garder ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Si tu es avec ton mari, que le mari mette ses mains sur ton ventre. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de femmes. Une femme qui a deux fibromes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de bouffée de chaleur. Chaque fois, tu transpires tout le temps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur la tête. Tes cheveux tombent tout le temps. Tu vois tes cheveux tomber. Chaque fois que tu te peignes, les cheveux tombent. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont restaurés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit. Et la foi, que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de diabète. Tu utilises des insulines à partir d'aujourd'hui. Remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a mis ta main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux filles qui souffrent énormément pendant la période des règles, pendant la période des menstruations. Mais gardez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour une parenté qui est à l'hôpital, qui est dans le coma. Cette personne ne mourra pas. Elle va sortir. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Merci pour les enfants, Seigneur, que tu guéris. Il y a des enfants que le Seigneur touche. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus, parce qu'il y a des enfants qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Chaque fois, tu tombes et à partir d'aujourd'hui, je maudis cette épilepsie. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Parmi les 3, il y a celui qui souffre du cancer des intestins et l'autre, il y a votre femme qui a le cancer de l'utérus. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Et je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si tu n'as pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, je demande à tous ceux qui prient avec moi de faire un pas de la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison et remerciez le Seigneur pour la guérison des autres, pour ce qu'il a de faire pour les autres, parce que toi aussi, il y a des choses
chose que le Seigneur te doit faire. Même si tu ne sens pas, ce qui compte, c'est ta foi et la foi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Ayez la foi. Commencez à aimer le Seigneur pour la délivrance, parce que vous êtes guéri. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu as manque d'odorat. Tu ne sens plus quoi que ce soit. Tu peux rien sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, ton odorat est restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Ton oreille te fait mal. Il y a même de la pu qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maman qui souffre au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre au niveau du dos, qui a des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais au nom de Jésus, je me demande de remercier le Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont guéris. Merci pour ces miracles. Merci pour ta présence. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.